Bonjour, cher ami, cher fan, cher patient de l'élevage. J'espère que vous vous portez bien. C'est un plaisir pour nous encore de nous retrouver en votre compagnie. Si vous remarquez bien, nous sommes dans une nouvelle section. Nous ne sommes pas chez les volailles, chez les lapins, mais dans une nouvelle section. Donc, ça ressemble déjà à quoi? C'est l'élevage des drapeaux ici. Donc, c'est la poulerie. À GFAM, comme je vous le disais dans les vidéos de présentation, nous faisons beaucoup de l'élevage dans nos lapins. Le lapin d'aujourd'hui, un secteur très peu connu, mais qui représente une niche de richesse. Donc, là, on a décidé, comme d'habitude, de partager avec vous nos résultats, ce que nous faisons. Et aujourd'hui, c'est le tour de la faune. D'abord, elle est appelée fable du langage abouti. Il n'y a pas d'abouti en Afrique. Les aboutis, on les retrouve généralement en Amérique du Sud. D'accord, elle ressemble à nos faune, juste qu'elles n'ont pas de pied. Donc, ce qu'il y a en Afrique généralement, ce sont des faune. Et c'est ce que nous avons ici à Jolifam. C'est un projet que vous pouvez prendre et que vous pouvez associer à plusieurs types d'autres projets. Avec les olapos, vous pouvez associer l'élevage de lapin à l'élevage des olapos. Tout autre élevage, même votre business personnel, même votre boulot. Parce que c'est un travail qui vous prend très peu de temps. Lorsque vous vous levez le matin, vous vous occupez rapidement des olapos, vous allez à votre travail et ça constitue alors une nouvelle source de revenus pour vous. Vous arrêtez avec le temps, vous ne finirez pas laisser tout ce que vous faites, je vous le dis, pour vous consacrer, spécialement à cet élevage de olapos. D'abord, il faut savoir comment on fait l'élevage de olapos. Comment est-ce que c'est rentable, que c'est intéressant. Le lapin, d'abord, c'est un animal de brousse. Vous voyez, généralement, c'est quand les gens vont à la brousse, ils font des chasses et c'est en voie de disparition. La raison pour laquelle nous, ici maintenant, on ne commence pas à domestiquer le levage, pas faire le levage domestique de la lapin. Donc, c'est un animal qui stresse beaucoup. La raison pour laquelle, lorsque vous voulez commencer, vous devez prendre une famille toute jeune, des sujets qui ont un mois et demi environ. Lorsque vous faites ainsi, les lapins finissent par s'habituer à vous. Les animaux, en réalité, connaissent ceux avec qui ils travaillent. Lorsque vous voyez un porc ou bien un animal, la volaille, le lapin, il sait en réalité qui est celui-ci qui veut lui donner à manger. Celui-ci ne vient pas souvent. Donc, lorsque vous les prenez jeunes, ils s'habituent à vous, ils vous connaissent. Et quand vous venez, donc, pour prendre ce jeune, ils se laissent faire, plus facilement. Le lapin, en fait, a 5 mois comme durée de gestation. C'est-à-dire que lorsqu'elles sont saillies, il faut 5 mois de gestation avant de mettre bas. Donc, vous comprenez avec moi que dans une année, vous pouvez avoir 2000 bas. Ce qu'il faut savoir est que la commercialisation de la côte est très facile. Même si vous allez dans les grands restaurants de la place aujourd'hui, ils vous diront que nous voulons en fait de la viande de la côte. On n'en trouve pas parce qu'elle est essentiellement reposée, la fourniture de viande de la côte aujourd'hui est essentiellement reposée sur les feux de poule, sur la chasse dans la bouche. Mais quel restaurant c'est aujourd'hui peut se confier, peut se retrouver sur cette base où on lui fournit la viande après de la chasse. Et si on n'en trouve pas, la raison pour laquelle, lorsque vous mettez dans le levage de la côte, lorsque vous avez une unité de production de la côte, vous vendez facilement vos sujets. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin même d'aller chercher du marché pour le levage de la côte. C'est-à-dire que le type de marché, vous n'en avez pas besoin. Zéro type de marché si vous voulez faire de la côte. Parce que le marché est là. Ici, à Jolifam, par exemple, nous livrons au jour le jour nos la côte. Vous vendez les olapos au Sénégal, vous vendez en Côte d'Ivoire, en Burkina Faso et bien évidemment au Bénin où nous sommes. Donc, ce n'est pas la commercialisation de l'olapos qui est un problème. Et en plus, l'olapos d'un coup. C'est quoi ce projet où le val est très simple, très facile et le marché est là et vous poussez à chaque instant. Donc, c'est un levage que moi je vous conseille énormément. N'hésitez pas à vous lancer dans cet levage. Elle ne demande même pas beaucoup de moyens. Regardez, pour faire un élevage de la côte, vous avez besoin de conventionner les cages de la côte. Nous conseillons de mettre ça en dur, en briques comme nous l'avons fait ici, et de mettre des frais dedans. Pourquoi? Si vous faites en bois ou bien en plastique, par exemple, les de la côte, vous pouvez abîmer le matériel, là vous commencez l'investissement. Cet investissement n'est pas si important que ça. Donc, nous vous conseillons de faire comme nous avons fait chez nous ici à GFAM. Il faut savoir aussi que lorsque la mise bas, le taux de la mise bas, vous pouvez avoir jusqu'à 6 petits par mise bas. Je disais tout à l'heure qu'il faut 2 mises bas par année en moyenne. Et lorsque la femelle met bas une fois, vous pouvez avoir jusqu'à 6 petits. Vous comprenez? Donc, imaginez si vous avez une famille constituée d'un mâle et de 4 femelles. La quantité de petits, si la moyenne ici est de. Moi, je suis pratique, on prend les 4 pratiques, je ne suis pas dans la théorie. Ce que nous avons ici, c'est ça, je vous dis. Si la femelle vous fait 6 petits en moyenne, vous comprenez? Donc, au niveau des 4 femelles, c'est-à-dire de la famille, vous avez 4 fois 6, 24 petits pour une mise bas. Dans l'année, vous pouvez avoir 48 petits. Il faut savoir que la famille de la côte, généralement, elle est vendue environ de nos jours à 90 000, je pense. Vous imaginez ce qu'une famille de la côte, 48 petits, peut vous donner au bout d'une année,
La raison pour laquelle je dis que c'est un élevage très simple, et l'alimentation n'est même pas du tout contrôlée. À la base, je dis que c'est un animal sauvage. Donc, elle est herbivore, elle mange beaucoup d'herbe. Ici, il y a des femmes, nous avons essayé d'industrialiser, d'être professionnels dans notre élevage. Nous donnons le maïs, un petit peu de grain en complément. Mais beaucoup de maïs sur la côte. La côte adore le maïs. Donc, c'est ce que nous faisons ici. Nous invitons honnêtement à vous lancer dans ce élevage. Vous ne vous perdez pas si vous faites l'élevage de la côte. C'est très rentable. Et ici, elle nous permet vraiment de ramener le secteur à un autre niveau. Nous allons vous montrer quelques cas de la côte, quelques exemples de la côte. Ici, ils sont fiers, s'il te plaît. Il y a un mal par ici. Ouais, donc tout ça, là, il y a que des lacunes, hein. C'est incroyable. Je disais tout à l'heure que c'est un animal qui se passe beaucoup. Vous voyez, il est très intelligent. C'est difficile de l'attraper. Notre ami va essayer de prendre pour nous. Vous voyez, ça c'est un mâle pour la côte. Cassez-moi, d'ailleurs. Vous voyez son poids. Le kilo de la côte aujourd'hui, même pour livrer au restaurant, est vendu à près de 4500 à 6000 francs le kilo. Et ceci à 4 mois, vous voyez déjà son poids. Alors, la prochaine fois, je pense que je dois vous faire une vidéo sur la rentabilité de l'élevage de la côte. Puis si vous pouvez comprendre en fait ce que j'ai fait, je pose, pour avoir une femelle. Tout ceci, c'est la côte. Elles sont remplies de la côte. Tout ce que vous voyez là. Il y a une femelle par ici. Tout ça là, c'est la queue de la peau. Viens voir ça d'abord, mon fils. Ouais, ça c'est nos jumeaux, la côte qu'on a sevré. D'accord? Et ils sont à 2 mois d'âge environ, on les a sevrés. Vous voyez? Ouais. Mon fils. Ouais, ça c'est une femelle de la côte par exemple. D'accord, Pierre est gestante. Hein? Oui, elle est gestante. Vous voyez déjà. Pour savoir quelles sont gestantes, vous voyez déjà même l'abdomen. Elle sort très bien. Il faut la caresser. Doucement, mon bébé. Doucement. Cette femelle par exemple, elle est gestante et bientôt elle va mettre bas. D'accord. Et je disais que la moyenne en fait pour la mise bas chez les de la côte, c'est environ 6 à 8 petits. Donc, dans son ventre maintenant, si on arrive à avoir une famille, c'est qu'on a déjà près de 90 000 francs. Et les autres, on peut vendre. C'est-à-dire que cette lacune a déjà au moins plus de 100 000 francs dans son ventre. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans cet élevage. Nous accompagnons aussi beaucoup de gens à commencer cet élevage. Et notre objectif est d'expandre ce que nous faisons à Jerry Farm un peu partout, chez vous, à l'extérieur du pays, comme à l'intérieur du pays. Je vous remercie. Restez connectés à la page, partagez la vidéo, lancez un pouce bleu pour nous soutenir. Et ne ratez surtout pas la vidéo qui va venir sur la rentabilité de l'élevage de la poule. Pour que vous puissiez voir aussi de façon pratique, parce que nous sommes pratiques ici, l'importance est ce que l'élevage, un petit élevage de la poule peut vous amener. Je vous remercie, à la prochaine. Et ici, c'est Jeff Farm, la passion de l'élevage.